Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, partie 2, entre parenthèses, la présentation des modifs. 2-3 petites anecdotes, comme j'ai mis dans le titre. Un peu putaclic, mais c'est pas grave, c'est pour faire venir des gens. Donc on a fait pas mal de modifs depuis la dernière vidéo. Principalement, là, la voiture est devant moi, j'ai trouvé un petit spot sympa, là. Un parking énorme, frérot, pour faire des donuts. Qu'on a modifié les jantes, le principal. 2-3 petites... merde, jeune Corsa folle. Ouais, c'est une Corsa. 2-3 petits modifs esthétiques, comme les logos noirs, 2-3, enfin, un petit sticker, etc. Mais je vais vous la présenter tout de suite. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop faire de nuit, parce que de nuit, vraiment, on voit rien et c'est insoutenable. Là, je sors de la salle, je viens de claquer un 200 kg soulevé de terre. Là, je suis heureux, là. Bref, c'est pas ça le sujet. Alors, principalement, les jeunes jantes, frérot. Magnifique. Alors, il y a deux écoles. L'école des mecs, ouais, jantes noires sur voiture noire, ignoble. Et t'as l'école des mecs comme moi qui trouvent ça incroyable. C'est vrai que des jantes grises sur les BM comme ça, full black, c'est incroyable aussi. Mais j'ai préféré faire du full black et 2-3 rappels rouges comme ce petit anneau fou, frérot. Au cas où si je sors dans un, champ. Bref, on va pas se porter malheur aujourd'hui. Donc les jantes, je vais tout dire, tarif, je m'en branle total. Les jantes de mémoire, je les ai payées, c'est pas des jantes de ouf, hein, vous pouvez regarder de toute façon. C'est des platines platine wheels. Je l'ai acheté sur Central Pneus. N'achetez jamais sur ce site parce que vous n'avez aucun suivi. Vos trucs, vous les recevez un mois après, c'est insoutenable. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Jantes platine, je les ai payées 600 euros. Un peu plus, un tout petit peu plus, je crois. Les jantes payées 600 euros, déjà ça ressort beaucoup mieux que d'origine. Après il y a une cale de 1 à l'avant et une cale de 2,5 à l'arrière. Pourtant elle ressort beaucoup plus à l'avant quand même, enfin beaucoup. Ça se voit légèrement sur la vidéo mais pas non plus une folie. Donc franchement non, j'adore. Du coup les pneus, je sais pas si on verra, mais c'est du Dunlop Sport Max RT2. Pneus 400 euros les 4. Mais c'est de la gomme tendre, c'est du vrai bon pneu. Avoir l'usure parce qu'apparemment il s'use quand même un poil vite, mais bon. Au début je voulais prendre des Pirelli, mais les Pirelli vraiment tu fais 7000 km, ils sont morts. Donc voilà, également à l'arrière. Hein. On voit les petites cales de déport, ils sont ici, on voit pas très bien sur la vidéo, mais c'est pas grave. Parce qu'il commence. La nuit commence à tomber. Petit sticker Nürburgring. Petit sticker sympa, alors que j'y suis pas allé, je fais pareil que la Golf. Hein. J'y vais pas, mais j'irai l'année prochaine, mais je le mets avant. Apparemment, ça porte malheur. C'est peut-être pour ça que j'ai fini dans un champ avec la Golf. Bon, espérons pas avec celle-là. Logo noir, classique, tout est noir, plaque noire, logo. Plus qu'à teinter les feux avec le petit film. Clignotant dynamique, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Assez sympathique. Bon, du coup, jantes, les mêmes jantes à l'avant, logique. Alors, à l'avant, qu'est-ce que j'ai fait de plus ? Il y a un petit sifflement, ça doit être ignoble en vidéo, je suis désolé. Anneau, AliExpress, frérot. AliExpress, ça m'a coûté 8 euros. 8 euros et c'est vraiment, c'est pas de la merde. Hein. Franchement, pour la qualité, franchement, elle est top. Hein. La couleur est pas partie. Achetez pas un universel parce que c'est pas possible. Faut vraiment la taille spéciale pour la voiture, ça dépend beaucoup. Des voitures, même toutes les BM n'ont pas le même anneau. Je sais pas si on verra beaucoup dans la vidéo. Mais les pelles d'admission que je parlais dans l'ancienne vidéo pour faire rentrer l'air un peu mieux. De jour ça se voit mieux, mais ça se voit légèrement, mais en vidéo on voit pas beaucoup. C'est surtout pour mieux faire rentrer l'air et un petit rappel rouge aussi. Coque de rétro style M3, parce que les autres, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, elles étaient explosées, elles étaient mangées, frérot. Il y en a une qui était brillante, frottée, et l'autre elle était mate, frottée aussi. Faut vraiment que je change ce joint de pare-brise parce que déjà c'est dégueulasse et en plus de ça je pense que pour c'est pas top quoi, même s'il y a encore de la colle en dessous, en soi le joint c'est que esthétique, mais bon. Je crois que j'ai fait le tour niveau intérieur, ça reste same, on a rien changé hein. Toujours la même chose. Ah si, exact, j'ai changé un petit truc, enfin deux du coup. Hop, le logo volant noir full black jusqu'au bout, et également le petit rappel rouge, hop, le petit start and stop rouge, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, à part ça, intérieur, franchement, je m'en branle,
Donc franchement, ça lui fait une super gueule. Franchement, par rapport aux anciennes jantes, incroyable. Petite anecdote, je vais chez l'ophtalmo. Parking de merde, d'enculé. Je frotte cette jante-là. Ça se verra pas trop parce que j'ai mis de la retouche. Ouais, ça se voit légèrement ici. J'ai mis de la retouche peinture, ça a frotté là. Là, j'avais la haine. J'avais la haine, tout ça, pour un rendez-vous de putain d'ophtalmo parce que je vois pas très bien la nuit. Enfin, ça me fait des... Franchement, ça me met pas à l'aise les phares des autres voitures, en fait, c'est ça. Donc, je l'ai frotté, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. En fait, c'est des trottoirs, vraiment, ils sont... T'as le trottoir là, un bout de trottoir là et un bout de trottoir là. Toi, ta bagnole est là et tu dois faire ça. Donc, finalement, je touche l'arrière droit. Ah, je vois ça, j'ai la haine. J'ai la haine. Je vais à la station lavage. Dédicace à Shine Up parce qu'ils font des vrais trucs. En plus, ils m'ont déjà donné des jetons gratuits. C'est à l'époque de la Golf. Franchement, dédicace à eux. Shine Up à mot, pardon. Bref, je sors. Et là, je vois la jante manger. Je mettrai une petite vidéo, une photo sur l'écran là. Mais franchement, quand je l'ai vu, j'avais la haine. Je me dis, putain, la jante, elle va être dégueulasse. Ça va être ignoble. Du coup, je la lave, bref, je vois c'est beaucoup moins visible parce qu'il y avait encore des résidus de trottoir sur la jante. C'est beaucoup moins visible, donc je suis content. Et après, je mets la retouche de peinture, le petit stylo de retouche pour la carrosserie de ma voiture en fait. Jamais, et là, incroyable. Je dis pas qu'on voit plus rien, mais franchement, ça arrive, hein. On frotte tous les jantes. En plus, là, vu que je les ai sorties, j'ai encore plus de chances de les frotter. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, prochaine modif de la voiture. Pour l'instant, on va se calmer parce que financièrement, c'est pas la meilleure période. Mais prochaine modif, enfin prochaine, ça sera pas forcément dans l'ordre. Combiné fileté, un petit peu de carrossage avant-arrière, ligne d'échappement. Stage 2, finalement, on va pas mettre de turbo de 530 comme j'ai dit dans la première vidéo. On va seulement mettre un jeune camion fou, on va mettre un V8, comment ça s'appelle, Scania ? Je sais plus c'est quoi la marque des camions. Je vais pas mettre un turbo de 530 parce que trop difficile à adapter en fait. Donc je vais mettre un turbo de la version 163 chevaux. Du coup, il tiendra plus. Des injecteurs de 535D parce que c'est plug and play. Et gros échangeur, ligne d'échappement. Normalement, on en tire 200. Le préparateur m'a dit entre 230 et 240 chevaux et 500 Nm de couple. Si je veux pas casser quelque chose. Après, il peut me faire monter plus, mais ça va pas être fiable et ça n'a aucun intérêt. Mais le projet, c'est de faire ça. Du coup, gros stage 2 et mettre un multimap en fait. Une map d'origine ou une map à 150 chevaux, peu importe, et la map full, genre à 240 chevaux et 500 newtons. Comme ça, déjà, enfin, psychologiquement, ça m'évitera de taper dedans tout le temps, même si en soi, je me suis calmé avec le temps, comme je viendrai dans les anecdotes dans la vidéo de trois petites amendes que j'ai reçues. Donc ça m'a calmé, mais c'est pour être prêt au Nürburgring. Du coup, je changerai aussi les freins, je mettrai du Brembo ventilé percé, avant-arrière, étrie, gros, pas étrie, grosse plaquette. Pareil, Brembo, parce que j'ai pas été déçu sur la Golf. Du Rite Aviation, comme j'ai dit, un peu de carrossage. Non, franchement, je suis content. Elle a 250 000 km, mais elle est neuve. Aujourd'hui, j'ai fait ma vidange moteur. J'ai fait une vidange, j'ai mis de la manhole, parce que je la rechangerai dans 5000 km quand je ferai ma révision complète avec tous les filtres. J'ai pas mis de la... De base, je voulais mettre de la Motul 300V Performance. Mais je le ferai quand je ferai ma grosse révision. Après, c'est pas de la mauvaise huile, Manol. Hein. C'est de la... Comment on appelle ça? Les certifications BMW. Enfin, t'as le cachet que tu peux mettre genre dans les BMW. Parce que sur certaines huiles, ça met que, par exemple, certifié par Volkswagen, peu importe. Et celle-là, elle était... tu pouvais la mettre dans la BM. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Elle est pas trop chère. J'ai eu en promotion, en plus. Donc c'est nickel. Et j'ai fait aussi la vidange de pont. Enfin, j'ai essayé. On a essayé avec mon père. Mais en fait, on n'a pas le truc pour trop bien vidanger. Donc on a fait une demi-vidange. J'ai pris de la Motul. De la Motul, comment? La 75-90. Enfin, de toute façon, ça c'est logique. Enfin, bref, de la bonne Motul pour que ça prenne chaud en température et qu'il n'y ait aucun risque. J'ai 120 chevaux, mais je préfère quand même. C'est toujours mieux de mettre de la très bonne huile, même si t'as pas 500 chevaux. Parce que t'en as, ils disent, ouais, 120 chevaux, t'as un 4 cylindres. Je vais pas rentrer dans ce débat, mais c'est mieux de mettre de la vraie huile pour éviter d'avoir des problèmes. Surtout que cette caisse, j'ai dit pareil pour la Golf. Mais si je réussis à faire ma prépa et tout, je vais faire ça vraiment doucement.
je suis super pressé, hein, mais en fait le problème c'est que quand tu finis ta caisse, après t'es lassé. Franchement, je vais faire tout doucement, je vais faire peinture complète. Je vais peut-être changer pare-choc arrière pour faire les sorties de la 335. Pare-choc avant, c'est sûr que je vais le changer pour le pare-choc M3. Angelize. Plein de modifs esthétiques, franchement, tout en mettant de côté à côté. Parce que c'est pour ça que je vais faire les choses doucement. Et je compte vraiment la garder, même si elle tient 500 000, je la garderai à 500 000. Parce que franchement, j'adore cette caisse. T'en as, ils vont dire, ouais, 4 cylindres, c'est pas une vraie BM. Guignol, dans la M3 E30, qu'est-ce qu'il y avait? Un 4 cylindres. Ah, faut aller se faire enculer, en fait. En fait, tout ça, tous les gens qui disent ça, c'est des faux passionnés qui jurent que par les chevaux ou par le moteur. Alors que pour moi, un 4 cylindres, un 6 cylindres, ça reste un diesel. De base, c'est pas fait pour être performant, c'est fait pour faire de la route. Moi, je fais ça juste parce que je suis un guignol et parce que je kiffe, chacun sa passion. L'essence reste au-dessus du diesel, même si je roule en diesel, c'est juste parce que j'ai clairement pas les moyens. Moi, je dis la vérité, je suis pas un guignol en golf. Enfin, j'allais dire les guignols en golf 4. Chacun son délire, mais arrêtez de dire, ouais, avec ma golf 4, je te fume, ta golf GTI, mazout au-dessus d'essence. Arrêtez vos conneries, sérieux. Même si tu le fumes en ligne droite, ta golf elle a aucun châssis, je sais ce que je dis, parce que j'ai la mienne, ça tenait pas vraiment le pavé, même si j'avais fait les modifs de suspension et tout, ça tenait pas le pavé, je suis désolé. Enfin, en tout cas, tu tirais tout droit en fait, ça tenait, mais tu tirais tout droit. Donc arrêtez de dire, ouais, je fume ci, je fume ça, on s'en bat les couilles. Les mecs, on vit une passion, que t'es un 4, un 6, un 8 cylindres, un diesel. Une électrique, non, parce que ça, je ne rentrerai pas, dans ce sujet. Diesel, essence, éthanol, on s'en fout. Chacun, on a tous la même passion. Faut pas se prendre la tête pour rien, en fait. Donc voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. On va rouler tranquillement. Donc voilà, l'équipe, on est sur la route. Je vais raconter un peu les anecdotes que j'ai mis dans le titre. Comme je vous expliquais au début de la vidéo, de pourquoi je me suis un poil calmé, même si pour moi, enfin, je dis pas que c'est pas mérité ici, si, parce que tu joues, tu perds, tu sais les règles. Si tu enfreins les règles, t'as des risques. Donc c'est comme ça. Sur une route où je sais qu'il y a toujours des voitures radar, mais bon, enfin pas des voitures radar, les jeunes maréchaussés qui se cachent derrière un mur, je sais toujours qu'ils sont là, c'est le chemin de mon taf. Je roule un peu, flashé 135 au lieu de 80, donc retenu 121, donc 40 km/h au-dessus des limitations de vitesse. Donc bon, j'ai eu de la chance dans mon malheur, parce que à une époque, je crois que c'était 40 km/h, il te retirait le permis. Apparemment, dans certains endroits, c'est 50. Donc bon, j'ai envie de dire tant mieux. Merde. Tant mieux, j'ai perdu dans l'histoire 4 points, donc j'ai fait directement un stage de récupération de points, parce que on te retire 4 points quand t'as 6 points, t'es clairement dans une sauce phénoménale. Surtout que peu avant, j'avais reçu une amende moins 3 points pour un truc qui n'est pas du tout mérité, donc j'ai contesté. Je ne rentrerai pas dans ce débat là parce que je ne dirai rien tant que j'ai pas de nouvelles. Donc j'ai contesté le 3 points, donc c'était 3 points à 90 balles. Je l'ai contesté, donc on me l'a pas mis dans la gueule, donc on m'a pas retiré les 3 points du coup. Ça fait quand même quelques temps que je l'ai contesté, mais au final, pas de nouvelles, encore en attente. Si c'est en attente toute la vie, tant mieux, je m'en branle. Donc après, peu de temps après, je reçois moins 4 points pour l'excès de vitesse que je viens de vous dire. Donc je suis dans une giga sauce, je reçois ça, je suis fortement en colère. Le jeune courrier vert qui ne fait pas plaisir. Donc tu pries, en fait tu reçois ça, tu pries, parce que je suis pas du tout un exemple sur la... Enfin, je ne roule pas mal, je roule peut-être certaines fois vite. Flash la gueule avec ce putain de plein phare, cet enculé. Il a qu'un phare, c'est pour ça qu'il se met en plein phare. Qu'est-ce que j'étais dans quel sujet? Ouais, voilà, tu reçois le courrier, tu t'espères de pas être flashé à... J'en sais rien, je n'ai jamais roulé au-dessus de ces vitesses-là, mais imagine que tu es flashé à 160, 170, là, sur une route à 80, t'es fini, hein. Enfin, t'es fini, tu perds le permis, t'as plus de permis, t'as plus de taf, t'as plus d'argent, t'as plus de voiture. Enfin, c'est un engrenage qui est... sans permis, aujourd'hui, tu peux rien faire quand t'as un taf. À part si t'as un taf où tu peux y aller à vélo, à train, peu importe. Donc ce engrenage là, j'aimerais jamais le vivre, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai ça, je décide de faire un stage de points, je le fais dans le 77 à Shell exactement. Donc très sympa, je ne sais plus comment il s'appelait, parce que
que de base c'est un moniteur en fait, ils font des formations pour devenir justement ces mecs là qui font que des stages de récupération de points en fait. Donc il y a un mec, un moniteur et une psychologue. En fait on en a tellement parlé de mal que j'arrive là-bas, je suis vraiment dépité. Je suis dépité. Au début je vois les mecs tous pas forcément désagréables, personne parle. Enfin, je suis pas sociable. Donc au final, il y a plein de gens qu'au final en fait faut présenter quelqu'un à côté de toi et pas te présenter toi, je trouvais ça ignoble. Mais au final, tout le monde était sympa. Apparemment je suis tombé vraiment sur un bon groupe parce que 99% des gens qui m'en parlent ou que je vois sur internet, apparemment c'est macabre. C'est macabre, il n'y a que des cassos, bah, je ne critique pas, mais il n'y a que des cassos. Là franchement c'était rigolo. J'ai perdu 200 balles plus 90 balles de l'amende dans l'histoire, mais c'est pas grave. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Aujourd'hui je me suis calmé. Je vais pas faire le mythomane. Putain, il fait chier, ça c'est insoutenable. Voyant parce qu'il fait froid. À un moment faut arrêter vos conneries, il fait 3 degrés, je m'en fous. T'as l'impression que c'est un voyant moteur, ce bruit là il me hante la nuit. Parce qu'une une 90 en voyant c'est plus une 90. C'est très compliqué. Bref, revenons au stage de points. Donc en vrai ça s'est bien passé, j'ai récupéré 4 points dans l'histoire. Donc voilà, et je vais pas faire l'ancien, ouais je me suis calmé 100%, ça m'a fait apprendre des choses. Ce stage là m'a rien fait apprendre, ils t'apprennent rien. Au final tu fais que te débattre sur certains sujets. Eux-mêmes te comprennent en fait. Enfin, on a tous le pourquoi du comment, tu roules vite, pourquoi du comment, imaginons t'as grillé un stop. Je critique rien sauf les mecs qui conduisent sous stupéfiants ou bourrés, ça c'est pour moi c'est vraiment pas un délire. Pour moi ça c'est vraiment. Enfin, c'est ce qui devrait le plus être, enfin pas condamnable, mais putain il roule à 20 km/h le frérot. Mais pour moi la vitesse, après tu peux pas, les flics ils peuvent pas savoir si t'as la maîtrise ou pas, mais la vitesse, bon d'accord j'étais à 135 au lieu de 80, mais c'est droit, ils savent où se mettre, hein. C'est pas pour la sécurité qu'ils font ça, hein. C'est que pour l'argent, sinon ils se cacheraient pas les frérots. S'ils se cachent c'est juste pour faire de l'argent, parce que je suis désolé ils veulent faire de la sécurité, ils mettent des putains de radars partout. Mais c'est pas ce qu'ils font, parce que les radars en fait, je dis pas qu'il faut être débile pour se faire flasher par un radar fixe, mais au final t'as Waze, t'as toutes les applications qui font que tu sais qu'il y a un radar. Mais ça tu le sais pas vraiment, Waze c'est pas sûr à 100%, Coyote c'est pas sûr à 100%, Radarbot c'est pas sûr à 100%. Donc faut faire gaffe, hein. Faut pas se fier à ça et rouler à 200 H24. Donc s'ils voudraient vraiment de la sécurité, ils mettent beaucoup plus de radar fixe et ils se planquent pas. Parce qu'à un moment faut arrêter de se planquer, pour moi c'est... Je respecte les forces de l'ordre, mais pour moi c'est une méthode de fiat. Parce que ça c'est que pour l'argent, c'est en aucun cas pour la sécurité en fait. Il se cache, il te flash, au final ça revient au même, hein. Ça change rien du tout. Hein. Ça change rien du tout parce que la sécurité, il n'y a rien du tout parce que l'amende je l'ai reçue 2 mois après. Je dis pas que je roulais tout le temps comme ça, c'est faux, hein. Je fais ça qu'une fois dans ma vie. Mais c'est pas du tout pour la sécurité qu'ils font ça, c'est que pour l'argent. Faut essayer de se voiler la face, même les radars en soi c'est pour l'argent. Mais les radars ça peut peut-être impacter la sécurité du coup, parce que les mecs sont obligés de freiner. 99% des gens qui voient un radar, qu'ils ont Waze, tout le monde a Waze aujourd'hui, ils freinent avant le radar. Enfin, ça c'est à peu près un peu plus la sécurité, sans que c'est pas du tout ça le qui va changer quelque chose forcément dans les accidents, je suis désolé. Mais bon, c'est comme ça, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est pas grave, je fais pas le mec, hein. Maintenant je... Peut-être qu'il y a une certaine époque, quand j'avais la Golf, je dis pas que je roulais vraiment comme un fou furieux, mais vu que je m'étais jamais fait prendre et que il m'était jamais arrivé une sortie de route ou un accident quoi que ce soit, je roulais comme Hamilton. Cette route-là, je suis sorti dans le champ. Avec la Golf, je suis sorti dans le champ. Depuis ce jour-là, c'est con, mais... Je prends le virage, je le prends très vite. Cette route là elle est ignoble parce qu'elle glisse. En fait je tire tout droit, mon volant il part en couille. Je me croyais pour un pilote, je désactive l'ESP, ça me fait partir dans le champ. Enfin bref, je fais au moins 100 mètres dans le champ sans déconner. Tellement j'arrive vite, enfin je dirais pas quelle vitesse j'étais, mais j'arrive vite. Ce virage là exactement, je le prends, je vois, je tire tout droit, j'arrive dans le champ en face. Heureusement qu'il n'y avait pas une voiture en face, parce que là j'avoue que j'ai fait le con. Depuis ce jour là je roule peut-être quand même vite, mais j'essaye de faire les choses. C'est con cette phrase, parce que faut pas que penser à sa gueule, mais ok je peux rouler vite certaines fois, mais j'essaye de rouler vite en faisant gaffe aux autres.
par exemple, je vais pas m'amuser parce que ça, faut vraiment être, faut dire les termes, faut être un fils de pute hein, pour rouler en ville. Et ça, j'en vois sur, même sur TikTok, les mecs filment ça. À un moment, faut arrêter vos conneries. Ils filment, ils roulent à 130 dans les villages. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Et ça, ces mecs-là, faut les enculer. Parce que c'est super dangereux. Là, je suis désolé, tu roules à 80. Là, je sors. Cette route-là, non. Mais sur certaines routes que je connais, que des fois j'emprunte, parce que il faut savoir faire. T'en as, ils vont me dire, va sur un circuit. Oui, je suis d'accord. Mais un circuit, c'est pas gratuit. C'est sûr que c'est mieux de faire ça sur un circuit, mais tu prends une route où il n'y a personne, où tu sais qu'il n'y a personne, tu bombardes un peu et tu as eu ta dose. Tu as eu ta dose de la semaine, après tu es content. Mais je pars du principe où tu peux rouler vite, mais ne mets pas en danger les autres. Ne mets pas en danger les autres, ne tue pas une famille, ne fais pas un face-à-face avec quelqu'un qui n'a rien demandé. Ok, c'est ça ma vision des choses. Bon, aujourd'hui, ce qui me fait kiffer, c'est la bagnole et aller à la salle. Demain, j'ai pas ces deux choses-là. Qu'est-ce que je fais? Je ne trouverai aucun intérêt de vivre, en fait. Enfin, c'est con, cette phrase. Hein. Mais on a tous des passions qui nous font un peu vivre, nous faire sentir être nous-mêmes, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, tu trouves ta route, tu te fais plaisir, et maintenant, c'est ce que je fais. Hein. Je vais pas faire le mec, comme j'ai dit, ouais, je roule plus du tout vite, je suis à 80, 50 pour 50, ça c'est vrai. Les villages, jamais, faut pas faire ça. Je suis pas 130 pour 130, non, c'est pas, pas faire l'ancien, c'est pas vrai. Je respecte, des fois tu peux être un peu plus au-dessus, mais tu fais même pas exprès au final. Hein. Mais le but dans tout ça, c'est d'essayer de ne pas mettre en danger les autres. Moi je vous dis, je vais finir la vidéo sur ça, parce qu'en soi on a parlé de tout, on a présenté la bagnole, je pense que la vidéo est assez longue que ça. Je sais pas combien de temps j'ai parlé d'heure, je crois que j'ai parlé une bonne quinzaine de minutes, et là ça sera pareil, ça sera une vidéo de 30 minutes. mais bon, ça me fait plaisir de faire des petites vidéos comme ça, de parler à la caméra, de parler des choses qui se passent, et puis voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et ciao.